Au fond de ce trou, je n'avais aucune chance contre lui, bien que blessé par les deux dynamiques précédentes. Sur mon promontoire, il sera à ma merci. Et effectivement, il n'en avait pas fallu beaucoup. Il était déjà en train de mourir, dévoré par les flammes, son corps tuméfié de brûlures, comme ses trois autres comparses étalés là au sol. Et suivant le chemin de la croix, qui me présente une large salle et un profond gouffre, il n'y avait qu'à suivre les cordes. Je ne voyais toujours pas le fond. Mais au vu du nombre de lignes posées là, il n'y avait qu'à suivre le chemin des spéléologues. Le piolet m'aiderait à faire une traversée. En continuant de descendre, l'atmosphère était de plus en plus différente. Au champ de la cascade qui ruisselait le long de cette paroi, comme l'eau. Je fis ma route jusqu'en bas. Ici, c'était comme être sur une autre planète. Si profond. Et ces monstres était devenu pour moi qu'une formalité. Je ne les regardais même plus. D'aller de l'avant. Continuer à m'enfoncer dans les profondeurs insondables de ces cavernes. Sur ma route, des vestiges du passage de spéléologues, d'autres personnes.
bien que maintenant colonisée par ces monstres. Ces mutants. D'une autre planète est fascinant. Quand derrière ces planches, d'autres monstres, les gardiens de ce tombeau, et la peur et les remords étaient effacés de ma palette de sentiments. Chemin faisant, à travers les débris de ces rochers, à l'horizon, des cris de bêtes, mais je ne demeure plus impressionné, beaucoup trop déterminé. J'étais sur la bonne voie, je le sentais, et dans cette large salle, il y avait une porte métallique, gardée par un de ces mutants. Je fis le tour. Il me demanda quelle sera la meilleure stratégie à adopter. Devrais-je m'en débarrasser? Ou pourrais-je passer discrètement? Il m'avait repéré. La discrétion s'est grillée. En me retournant, il n'était pas tout seul. Il y en avait un autre qui embrayait le pas. Et avoir aucune chance. Le deuxième avait fait machine arrière, et celui-là, aveuglé par les flammes, ne savait même pas où je me trouvais. Ça facilitera les choses. Son corps lourd vient s'étaler au sol. Le premier était mort. Il n'en reste plus qu'un pour franchir cette porte. En essayant de ne pas avoir à l'affronter, je me glisse discrètement derrière lui. Mais encore une fois, je suis repéré. Alors qu'il me laisse une légère marge de manœuvre, je mets les poids sur le contrepoids qui permet d'ouvrir cette porte et m'y faufile. Non sans mal, j'étais épuisé, congelé. Je n'arrivais même plus à courir. Pourtant, ils étaient là.
tout proche. Et il y en avait d'autres. Toujours plus. Il fallait que j'adopte une nouvelle stratégie. Une stratégie monstrueuse. À leur image. Sortant ma nouvelle arme, c'est là que le massacre à la tronçonneuse, commença. Au cri de leurs congénères, les autres avaient fait machine arrière. Restez un courageux. Ce sera sa dernière erreur. Effectivement, les autres étaient partis. M'étais-je débarrassé de tous. Il devait en rester encore au moins un. Je n'en étais plus sûr. Me dirigeant vers la porte, dans mon dos, il y en avait un autre. Alors que ce dernier essaye de fuir, acculé dans un coin, il n'avait aucune chance. Et je le laisserai là, à son funeste destin. Passant cette porte, plafond éclairé de lumière scintillante. À la sortie de ce corridor, un pont, comme une voie à travers la pénombre, éclairé à la lueur de bougies. Je le sentais. Je l'avais dans les tripes. Je me rapprochais de mon objectif. Je retrouverai Timmy. Et la sortie, je nous sortirai de là, mon fils. Faufilant à travers une crevasse. La faible lueur du soleil. Les rayons traversant cette énième porte. Le soleil. Je suis bien à l'extérieur. Au fond de ce géant trou de verre. Et je le sentais au fond de moi. J'étais proche. Très proche. Ces gardiens du temple, étaient comme un signe, le signe que la fin était proche. Je découvrirai le mystère, et vaillamment, je me jette corps et âme au combat. Une nouvelle fois, le corps de cette chose se fracasse au sol. Et c'est dans la lueur du soleil éclatant au-dessus de ma tête que je trouve la solution. Au fond de cet étang, il y avait un trou, encore un. Mais cette fois-ci, c'était différent.
comme une porte, comme la fin, comme l'ultime épreuve, la dernière étape. L'espoir de découvrir ce qu'il se cache derrière tout ça. Et dans la pénombre la plus totale, je rayonnais de bonheur. Sans vraiment savoir pourquoi.